Mika. Mika. Mais Mika, je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sourde. Si tu m'appelles que je ne réponds pas, parle. Ou bien tu penses que je suis à Manhattan pour ne pas t'entendre parler. Manhattan, Manhattan. Maman. 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 Ah, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Tu appelles les gens n'importe comment là. C'est pas la bouche qui écoute, c'est les oreilles. Dis ce que tu as dit là, tu vas quitter là. Maman, tu as vu comment Mika me parle, non? Ça là, arrangez ça entre vous. J'ai assez de problèmes comme ça. Bon. Je sors. Je vais juste faire une heure. Mais si dans une heure, vous ne me voyez pas là, il ne faut pas vous inquiéter, hein, je serai là tout à l'heure. Mais pourquoi toi tu ris? Je ne ris pas, chérie. Je pleure. C'est pas toi. Faut pleurer. Tu es assise dans le fauteuil de Digbé là, ça te plaît. Faut continuer comme ça. Mais dis donc, le roi a perdu sa couronne, mais sa démarche n'a pas changé. Oh, laisse-la là. Son dos est glacé. Elle n'a même pas honte. Regarde-moi ça. Si je ne reviens pas dans une heure, si tu veux faire un an là-bas, deux ans, si tu veux, reste là-bas. On n'a plus besoin de toi ici. Regarde-moi, tu n'as même pas honte. Après tout ce que tu nous as fait subir, par ta faute, ton frère Digbé est allé s'installer à Gagnoua à cause de la honte. Et puis toi, tu as le courage de venir parler devant les gens ici. Poisseuse. Maman, c'est toi qui écoutes celle-là. Si elle connaissait la honte, elle n'aurait pas eu le courage de m'appeler. Mika, Mika. Après ce qu'elle a fait là. Tu as la chance de croiser un homme aussi raffiné que Dao, aussi jeune, avec une bonne situation. Et en plus, tu te lapes les orteils. Est-ce que je savais ça? Tu le zappes pour qui? Un certain Américain, Manhattan, Manhattan, héritier d'une société de fabrique de formol. Mon œil. Quand tu entends formol là, même c'est la mort que tu vois derrière. Hein? C'est Digbé qui a eu raison. En tout cas, mon fils avait raison. Digbé a eu raison depuis le début, maman. Dès que cet homme-là est rentré dans la maison, tout ce que Digbé a dit, il ferait l'acteur d'un film d'horreur. Et l'acteur principal. Oui. Moi-même, quand je l'ai vu arriver là, j'ai dit, qu'est-ce que ma fille Nassou est allée nous chercher encore? C'est dans quel zoo elle est allée ramasser ce bout d'homme-là? Ou bien aux États-Unis, il y a des gens comme ça. Tu exagères, hein? Maman. Nassou a pris tout mon argent pour donner un truc comme ça. Maman, c'est pas ta faute, faut pas t'en... On n'a pas dit qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent. C'est Nassou qui nous a mis dans tout ça. On attend de voir celui qu'elle va nous envoyer la prochaine fois. Mika, vous allez voir ma photo à la première page des journaux, en gros titre. Une femme tue sa fille. On ne dit pas ça. Parce qu'elle a pris un mari dans un zoo. Et puis, Dao même, Dao est plus américain que celui qu'elle nous a amené là. Bien sûr. C'est son où même? Bien sûr. Bonjour, bébé. Bonjour, jeune homme. Ah, ouais. Bonjour, bébé. Salut, jeune homme. Asseyez-vous. Ah, merci. Merci, bébé. Bon, je crois qu'en matière de business, on ne perd pas le temps. Ouais. Ah oui, parce que le temps, c'est de l'argent. Les Anglais disent, time is money, you know? OK, you know? Est-ce que vous avez les passeports ici? Oui, tout est là. Mais le pognon aussi. Oui. Les 7 millions, on a pu trouver que 5 millions. Et le reste? Le reste, bon, on va faire l'effort de trouver ça avant que le visa ne sorte. On va vous donner le reste. Il y a manque de confiance. C'est pas ça, Vipère. Oh! En matière de business, ça marche pas! Ça marche pas avec moi! Vipère, c'est qu'on n'a pas pu tout rassembler. Petit! Il y a longtemps, moi, je suis dans le business! Non, c'est pas ça. Le business, ça brûle! Ça brûle. Ah oui, ça brûle. Ah non. Donc, si au départ déjà il y a manque de confiance, on laisse tomber. Alors prenez vos passeports. Non, on laisse tomber. Pardon, VP. Non, vous partez, ou alors. Pardon, VP. On va faire l'effort. On va trouver le reste. Avant même que les visas n'arrivent. Pardon, VP. Ok, bon. Et l'argent est où? C'est là, VP. Fais voir.
Ça fait bien 5 millions, ça? Oui, c'est 5 millions, millions de paix. C'est ça? Ça fait beaucoup à mon paix. Ok. Le reste, on va vous donner avant même que les visas ne soient prêts. Attention, ça c'est. On va vous donner. Allô? C'est l'ambassadeur. Allô? Oui, Excellence? Ya? Ouais! Coupa Hakla W. Go! Ya! Oui, Excellence! Oui, j'ai déjà pris le passeport, ça y est avec moi. Ok, d'accord, d'accord. Merci, Excellence. Non, demain, je vous remets le passeport. Merci, Excellence. Merci. Vous voyez, c'est déjà fait, hein? Alors, c'est l'ambassadeur même qui vient de m'appeler. Alors, donc, ça, je vais introduire ça demain. Et puis, c'est sûr que dans 3 jours, vous allez avoir vos visas. Ok. Ah, merci, donc, on se donne rendez-vous ici dans une semaine. D'accord. Et puis, je vous donne vos visas. Et mais considérez que vous êtes déjà parti. Okay. Ah ouais, vos amis sont ici. Ils sont venus à deux. Allez, donc, dites aux autres qu'il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai pris le passeport. Et vous allez avoir vos visas. D'accord. Allez, rentrez, les enfants. On va tout faire pour trouver le visa. Okay, merci, merci, VP. Merci, VP. Rentrez bien. Merci, VP. Allez, allez. Merci, VP. Merci, VP. Considérez que vous êtes déjà derrière l'eau. Ok, merci. Voilà. Allez. Chérie? Oui? Donc, tu profites de tes courses pour payer la facture, c'est ça? D'accord. C'est une très bonne idée. Ah. Mais dis-moi, ta copine Nastou, pourquoi elle ne vient plus ici? Je ne t'ai pas expliqué? Non. En tout cas, pas à moi. Ah! Mais celle-là, elle m'a foutu une de ses rentes à la mairie. Oh, oui, 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 je vois. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais l'oublier. Jamais. Attends. C'est pour ça que vous ne vous voyez plus? Mais on se voit pour se dire quoi? À part ce qui a été dit à la mairie. Alors là, non, 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 non. M'humilier devant tout le monde. Moi, j'ai invité les hautes personnalités de ce pays. Ce jour-là, si la honte pouvait tuer, non. J'allais rentrer sous le sol. J'allais disparaître. Nastou et toi, vous êtes des amis de longue date. Si elle savait ça. Ensemble, vous avez fait des choses merveilleuses. Et parce qu'il y a une histoire entre vous, tu la laisses tomber. C'est elle qui a voulu. Oui, mais si je comprends bien, tu es en train de me dire que si un jour il y a des problèmes entre toi et moi, tu vas me laisser tomber. Toi, tu es mon amour. Hein? Je ne peux pas te laisser tomber pour une histoire banale. Toi aussi. Wabeyi, ma chérie, je te dis et je te le répète, Nastou, c'est ta meilleure amie. Quel que soit le problème qu'il y a, tu dois l'assister. Ce n'est pas toi qui l'as encouragé dans cette histoire? Oui. Ah. Vous deux, vous m'avez fatigué ici pour les cours d'anglais parce qu'il y avait un Américain qui devait arriver. Ma chérie, tu sais, l'amitié est sacrée. Ce n'est pas seulement dans le bonheur. Même dans le malheur, vous devez toujours rester ensemble. C'est ta camarade et ta sœur en plus. Si elle pouvait savoir. Qu'est-ce que tu en sais? Va la rencontrer. Présente-lui tes excuses et ça ira. Moi? Aller lui présenter des excuses? Mais ça fait quoi? Mais non, je ne peux pas. Je suis désolé, ma chérie. Mais non. Ça t'enlève quoi? Donc, j'ai dit, je ne peux pas le faire. Ça t'enlève quoi? Faut pas insister. Non, mais un peu d'humilité, voyons. Non, non, non. Elle et moi, c'est fini, c'est fini. Non, hein. Écoute, si on veut bien voir, moi, je pense que c'est toi qui n'as pas raison. C'est moi, j'ai tort. Il faut avoir le courage de reconnaître son tort et aller demander pardon à l'autre. Quand ça s'impose, et là ça s'impose, je te l'ai toujours dit ici. En plus, mais tu es de son côté. Je ne suis pas de son côté, mais mets-toi à sa place. Ah non, mais écoute, va lui présenter tes excuses et ça t'enlèvera rien. En tout cas, si tu es vraiment convaincu que tu m'aimes, va lui présenter tes excuses. Ça ressemble à du chantage. Je suis désolé, chérie, ce n'est pas un chantage, c'est une question de principe universel, c'est la vie, c'est la vie. Je vais le faire. Puisque tu insistes, je vais le faire. Et quand? Je vais l'appeler tout à l'heure. Si tu es sûr que tu vas le faire, fais-moi un bisou. Ok. Bon, tu me rends compte, hein? D'accord. Okay. Bien.
Bon, moi, je vais partir. À ce soir, n'oublie pas la facture, hein. D'accord. Okay. Bonne journée. Merci, chérie. À tout à l'heure. Madame Kwasi, vous pouvez venir. Bonjour, patron. Bonjour, Madame Kwasi. Est-ce que vous avez introduit le dossier du ministre Antoine Dayoui? Oui, patron. Patron, vous avez le document signé. Ah, d'accord. J'ai le document signé. C'est un rapport médical. Ok. 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 D'accord. Merci, madame. Attends, j'ai pris rendez-vous à 10h avec Dr Barayogo. Ah oui, Dr Barayogo. Il a grand clinique d'Oku. C'est aujourd'hui, jeudi? Oui, patron. Ah, d'accord. Merci, madame. Merci, patron. Ah, ça. I am Cooper Hagler W. Go. Je suis le neveu de George Bush. George W. Bush. Mais c'est bien ça. Ah, yeah. Et non, Bill Gates, vous connaissez Bill Gates? Bill Gates? C'est Bill Gates qui a fabriqué l'ordinateur. Yeah. C'est un savant, c'est le premier savant du monde, you know? Bill Clinton, c'est le neveu. Et moi, je fais partie de la famille présidentielle, you know? Yeah! Mm-hmm. Et ok, non. Bonjour, demoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous conseillez ce monsieur? Oui. Non, on n'a jamais vu. On ne le connaît pas. Il n'est jamais arrivé ici. Merci. De rien, monsieur. Yo! J'ai l'impression que ce fille-là nous cache quelque chose. Oui, tu as l'impression que ça, non? À tout le coup, on revient. À tout le coup. Ils sont partis. Oui, ils sont partis. Ils sont partis. Oui. C'est quoi ça? Espèce d'andouille. Il y a quel problème? Est-ce que c'est obligé que je parte en mission? Non. Mais non! L'ambassadeur a vraiment envoyé en mission, mais je suis fatigué. Non, non! I am very tired. I'm tired. Je ne peux pas partir. Si demain ils viennent encore demander après moi, dites que vous ne me connaissez pas, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Ça fait combien ma tournée là? Ça fait combien ma tournée là? Ça fait 1000 francs. 1000 francs? Mm-hmm. Bon, tenez, gardez la monnaie. Ok, merci. Non? Merci beaucoup. On ne se connaît pas, non? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Donc, vous ne me connaissez pas, hein? Ok? Allez. Alors, ce gars, c'est un menteur. La même, je le vois. Tu n'as pas vu comme il a sauté là, t'as pas vu? Oh, c'est pas possible. Ils sont beaux, quoi, là, déjà. Donc, c'est pour ça que tu es venu me voir. Hé, hey, ma copine, excuse-moi. Oh. C'est pour ça que je suis venue te voir, pour te présenter mes excuses. Pardonne-moi. Mais c'est trop facile, ça. Me présenter tes excuses. Tu vois ce que tu m'as fait à la mairie? Devant tout le monde, tu m'as abandonné. Parce que le gars m'abandonne, toi aussi tu m'abandonnes. Moi-même là, ça me fait mal aussi. Ça te fait mal? Ça me fait mal, je t'assure. Je dis, hein? C'est pas nous deux qui devions partir ensemble si ça marchait. C'est ça. Et là, tu as oublié ça tout de suite. Pardonne-moi. De toute façon, on va pas trop traîner là-dessus. Tu as compris? D'accord. Je vais laisser tomber. D'accord. Mais la prochaine fois que tu vas répéter ça là, ah, ça va mal se passer. Et puis, il ne faut pas rire trop vite. Tu as compris, non? Mmh.
Tu as raison, ma copine. Ma copine. Mon vieux, affaire-là te fait mal de... Jusqu'à quand tu me reçois dehors, devant la porte. Tiens. Hé, maman. Elle est dedans, là-bas. Oh. Tu sais que, après cette histoire-là, maman Emeka ne me parle plus. Quoi? Oui, elle ne te parle plus. Elle ne me parle plus. Mais pourquoi? Aïe! Ta famille t'a abandonné pendant que tu en avais le plus besoin. Alors là, c'est scandaleux. Mais c'est impensable. C'est pas vrai, ça. Donc, dans tout ça là, Edigbe. Edigbe quoi? Est parti à Gagnewa. Il est dans la plantation du vieux là-bas. Oh! Alléluia! Le Seigneur est merveilleux! Le Seigneur est merveilleux! Il était temps! Qui? Mais celui-là, façon, il m'énerve. Mais il t'énerve ou quoi? Aïe! Oui. Toi-même, tu n'as pas vu ce qu'il a fait pendant le mariage là? Comment il me parlait? Tu ne l'as pas vu? Tu ne l'as pas suivi un peu? Mais lui, au moins, il l'a vu juste. Hein? Lui, au moins, tout ce qui s'est passé, il l'a vu. Et si on l'avait suivi? Mais on aurait évité cette catastrophe? C'est vrai. Et puis, je n'y ai même pas pensé. Hein. Ah bon? Pendant qu'on parle, tu sais, ma copine, je t'ai toujours dit hein, que ce petit-là, c'est un visionnaire. Et que tout ce qu'il dit là, c'est ce qui se réalise. Tu vois? Toi, tu as dit ça? Oui. Oui, j'ai dit ça. Tu as dit ça? Oui, j'ai dit ça, ma copine, mais j'ai dit ça. Peut-être que tu as oublié, sinon j'ai dit ça dès. C'est bon. J'ai dit, il faut l'écouter. Oui, hein. Oui, oui, c'est bon, ça va. Tu as vu, non? Ouais. Ça va, non? Sinon, j'ai dit. Oui. Donc, ma copine, bon, je suis venue présenter mes excuses. Maintenant que tu as accepté, je suis contente et tout ça là. Maintenant, je vais partir. Hein? Okay. Donc, d'accord. Hein, on je vais t'appeler, oui. Ok, d'accord, d'accord. En tout cas, ma copine, hein? Je suis très contente. Au revoir. Ok, au revoir. Au revoir. Bye. Okay. Hein? Oui, à bientôt. Yeah. Celle-là, elle ne pourra jamais changer. Ah, chou! Ah, chérie. Tu es là? Oui, je suis là. Comment vas-tu? Ah, je vais très bien. Ok. Et chez toi, ça va? Oui, ça va très bien. Et ta journée d'aujourd'hui? Oh, j'ai passé une très belle journée. Oui, ça se voit. Ouais. Mais Chou, qu'est-ce que tu m'as fait à manger aujourd'hui? Ah, chérie, toi aussi. Ouais. C'est quelle question ça? Oui, mais... Quand on aime son mari, là, oui. On lui fait son plat préféré. Donc, on passe à table alors? Maintenant, là? Oui, maintenant. D'accord. Ok. Donc, ton sac. On y va. Là. Voilà. Chérie. Comment ça? Voilà. C'est toi, là. Merci. Oh. Quand je pense que je vais te rendre heureux, mon Dieu, je sais pas, ça va. Tu sais, je t'ai fait ton plat préféré. Je me sentais seule. J'étais ici dans ce quartier calme là. Et je pensais à toi et puis paf, tu es arrivée. Quand je pense que je vais te rendre heureuse, regarde les chaises là. Nos enfants qui vont s'asseoir là. Les jumeaux là-bas. Et puis la mamie à côté de sa maman. Et puis comme ça, la famille est au complet. Ah, d'accord. Chérie, je te sais. Chérie? Oui. Chérie? Hein? Aïe, mais tu es où? Ah non, je suis présent, chérie. Je suis très fatigué. Ah bon? Ah bon? J'ai trop travaillé aujourd'hui. Tu permets qu'on mange après? C'est ce que tu veux. Oui. Bon. Tu sais que tes désirs sont des ordres. Hein? Ok. Donc, accompagne mon chant. Mais je te dis que tu prends ton bain d'abord. Hein? Il n'y a pas de problème, chérie. C'est toi, là. Je te connais. Après, c'est pour dire, je suis trop fatiguée. Ah. Donc, tu ne veux rien prendre? Non, c'est bon. Ok. Merci. Ah, vraiment, ça, c'est une visite qui me rend heureuse. Oh là là. Oh. J'ai dit. Oui? Qu'est-ce qui devient Dao? Dao? On l'a zappé, non? Ah, là, c'est une grosse erreur. Il faut le remettre au programme. Quoi? C'est important. Dao au programme? Pardon, moi, je connais la honte. Je ne peux pas.
Quand on a tort là, on présente toujours ses excuses. Et tel que je le connais là, il peut renouer avec toi. Ça, j'en suis sûre. Ma copine, tu comprends pas où? Tu ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Pour quelles raisons? Si je te donne les raisons là, mais tu vas tomber de ta chaise. Quelles raisons? Dis-moi un peu, quelles raisons? Je suis enceinte de 3 mois. Mais comment ça? Je suis enceinte. Et c'est de qui? C'est ça qui est le problème là. Moi-même, je ne sais même pas de qui c'est. Je suis là, je compte, je calcule mauvaise période, tout. Ça tombe pas. Je vois pas qui c'est. Ce qui est sûr, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas Cooper, c'est que c'est Dao. Mais si c'est Cooper là, où on va le trouver? Cooper, depuis qu'on est sorti de la mairie là, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. Peut-être qu'il est retourné à Manhattan. Manhattan? Tu as encore ce mot là à la bouche? Non, ma copine, tu me déçois. Et tu penses que celui-là était un Américain? Tu n'as pas vu sa femme et ses enfants à la mairie? C'est pas sa femme, c'est pas ses enfants. Si, c'est sa femme et ce sont ses enfants. Tu n'as pas vu que le dernier et lui là, ils ont la même tête? Qu'est-ce que tu en sais toi? Mais ils se ressemblent. Ça c'est un coup monté pour gâter mon mariage? Et j'ai parié que c'est Dao qui est derrière cette affaire. D'accord. Dans ce cas là, tu donnes la grossesse à Dao. Donne-lui la grossesse. Toi aussi. Mais Dao va jamais accepter cette grossesse. Mais il va accepter. Dao, j'ai dit. De toute façon, tu me vois là. Je suis foutue comme ça. Hein? Tu imagines Dao en train de prendre ça? Tout est gâté pour moi. Faut pas dire des choses comme ça. Hein? Si tu veux là, laisse-moi régler ce problème. Tu vas voir. Parce qu'un amour comme ça ne peut pas finir du jour au lendemain. Dao t'aime toujours. Bon. De toute façon, ma copine, comme tu insistes, bon. On peut essayer. Voilà. Sinon, moi-même, là-même, j'ai envie de renouer avec Dao. Mais moi, je me suis dit que peut-être qu'il ne va pas accepter et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, il faut gérer ça. D'accord. Et puis, il faut chercher à le toucher. Comme ça, si c'est possible, on va le rencontrer. D'accord. Dao, il est très gentil. Tout le temps qu'on a passé ensemble, là, Dao ne m'a jamais fait du mal. C'est-à-dire, il est gentil, il est attentionné. Il est doux, il est adorable, quoi. Jusqu'à ce que surgisse ce Cooper. Ce Satan. Vraiment, lui-même. Que l'Internet soit maudit à jamais. À jamais. Et puis, ce n'est pas Internet seulement. Hein. Il y a ta copine Louise, là aussi, qui est dedans. Ta copine Louise, là, c'est elle qui a tout envoyé. Mais ce n'est pas grave. Je vais régler ça. Moi, ce que je peux te dire, il faut appeler Dao. Tu l'appelles, il faut essayer de le blaguer un peu, quoi. D'accord. Puis tu lui donnes rendez-vous. Ok. Là, on va le rencontrer. Surtout pour ces deux sorciers-là, je vais tout mettre en œuvre pour que ça marche. Et tu vas briller comme le soleil à midi. C'est ça. Cette histoire-là, ne t'en fais pas. D'accord. Laisse-moi mener tout à la lettre. J'ai les mots justes. Et ce Dao va te revenir. D'accord. Laisse-moi régler. Vraiment, ma copine, je compte sur toi. D'accord. Il y a même pas de Dao là, ça me tient à cœur. D'accord. Il faut tout faire pour régler ça. Ok. Merci. Non, je l'aime trop. Merci. Oh, vraiment. Ça va? Vous êtes nouvelle ici? Oui. Ah ouais? Ok. Et vous êtes mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Et vous? Mademoiselle Nice Coffee. Nice Coffee. Oui. Et vous? Mademoiselle Marlène. Marlène. Oui. Ok. Cooper Hagler. Hagler W. W Go. From Manhattan. Vous êtes africaine, vous? Oui. Moi, non. Non. Moi, je suis le neveu de George Bush. George W. Bush. American man. Ah bon? Yeah. Alors. Que faites-vous ici? Je suis venu construire l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Yeah. Soyez les bienvenus. Thank you. Oh, ça va, jeune homme? Oui, ça va, monsieur. Et comment vous l'appelez? Moi? Oui. C'est Paterne. Paterne, yeah. Il y a des paternes aux États-Unis. Ah bon? Yeah. Ah. On peut se draguer? Il n'y a pas de problème. Ah. Ouais.
Je vous laisse mon numéro de téléphone. Hein? Voilà mon numéro. Vous m'appelez ce soir. Oui. On va essayer de voir si on peut se fixer un rencard quelque part. Tenez, gardez la main. Hein? Merci, monsieur. Yeah. Il est gentil. Hein? Yeah. Ok, allez, bonne journée. Okay. Au revoir, monsieur. On se retrouve. Au revoir, monsieur l'Américain. Merci, au revoir, monsieur. Allez. Il est mignon, hein? L'Américain. Hello. Hello. Yeah, c'est Cooper, Cooper. Comment ça va, jeune homme? Je Cooper, agréable, you know? Yeah. Bon, voilà, juste pour vous dire que j'ai votre colis. Yeah, j'ai le colis, j'ai le colis. Alors, vous passerez prendre ce colis au bar. Nice coffee, nice coffee, yeah. Oui, ça se trouve dans un sachet bleu. Je l'ai déposé sur le comptoir. Vous venez, vous le prenez. Mais, tenez-vous bien, il y a encore les passeports de d'autres personnes dedans, avec leur numéro. Donc, vous les appelez pour vous leur remettre leur passeport. On est d'accord? Thank you. Allez, bye. Vraiment, moi j'ai peur. Hein. Est-ce que ça va même, c'est une bonne idée? Il ne va pas accepter. Oh. Ma copine, toi aussi, pourquoi tu es sceptique? Il ne va pas accepter comment? Hein? En fait, ce n'est pas parce que je suis sceptique. Mais je connais Dao. Dao que tu vois là. Parce qu'il est orgueilleux. Tout le temps, je lui dis, en amour, il ne faut pas être orgueilleux. Mais lui, il est orgueilleux. Ça là. Écoute. On a marché jusqu'on est arrivé ici là. Ce n'est pas pour baisser les bras. Hein. Toi, tu dramatises tout. Oh! Si Dao refuse là, non. Tu te souviens de tout ce qu'on s'est dit. Hein? Tu tombes ici. Tu fais comme un pays bêté quand il y a funérailles là. Tu fais ça comme ça. Ma copine, donc tu es au sérieux? Mais oui! Tu veux que je fasse des acrobaties ici? Mais oui! Et qu'est-ce qui t'empêche? Bon, je vais voir, je vais voir. Ah! Regarde, en tout cas, mets tout en œuvre. Mets tout en œuvre pour que ça réussisse. Je compte sur toi, Dé. J'ai compris. Il arrive. Je vais faire pipi. J'ai envie de pisser. C'est pas le j'ai moment. Envie de pisser. C'est pas le moment. Retire ton pipi. Retire ton pipi. Bon, excusez-moi. Tu sais, je suis très pris ces temps-ci. C'est vrai? Ouais, tout trop pris. Dao! Ça va? Dao! Ok. Yeah. Ouais. Nastou! Ouais. Tu as vu le bel homme? Le beau coq? Ah, vraiment. Toujours élégant, hein? Nastou! Vraiment, je vous demande de m'excuser parce que je suis très pris dans ce temps. Ah, tu sais? Ouais. Enfin, il n'y a rien de grave. Ah, il n'y a rien de grave. Mm-hmm. En fait, c'est moi qui ai cherché à te voir. Ah, et pour t'expliquer certaines choses par rapport à tous les désagréments, tu vois, non? Donc, je voulais te dire que ce n'est ni la faute de Nastou, ni ma faute. Vraiment. Ouais. Ça a été simplement une incompréhension. Oh, mais Wabé, comment ça? Comment une incompréhension? Attends, je ne te comprends pas trop. Est-ce que tu peux être encore plus clair? En fait, je veux dire que... Dao! Dao! Tu vois la petite fille qui est assise là? Je ne sais pas ce qu'elle a fait aux gens. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais tous les sorciers de son village se sont levés contre elle. Contre votre amour et votre petit amour là. Les gens se sont levés contre ça. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Hein? Je te jure, hein, il y a la sorcellerie en bas. Mais je vais te dire aujourd'hui que tout ce qu'ils vont faire contre votre amour là, en tout cas, ils vont échouer. Au nom de Jésus, ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Tu l'as dit, hein, ma copine. Wabé,
Mais vous parlez de sorcellerie. Mm. Pourtant, moi, j'ai appris de ceci qu'un Américain serait venu pour l'épouser, l'envoyer à Manhattan avec sa mère. Oui. Non, je vais pas. Non, ma copine, Américain venu moi m'épouser, Manhattan. Tu es au courant de cette histoire? Moi, jamais, jamais, Américain. Ma copine. Américain. Ma copine, ça c'est l'œuvre des sorciers. Oh. Tu les connais, non? Je l'ai dit. Mais tu sais, Dieu a dit dans sa Bible que toute personne qui ment là, mais qu'il va le frapper par son épée. Ok. D'accord. Mais écoute, doucement. Je dis, vous dites tout ça, mais moi, c'est votre comportement qui m'a déçu. Je n'arrivais plus à parler à Nastou. Et toi, Wabé, ce que je comptais. Tu m'as insulté dans la rue comme un malpropre. Et vous m'avez tourné le dos. Mais que voulez-vous que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je jure, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que sa mère ne m'a pas soutenu. Donc ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Hein? Ça là, c'est l'œuvre des sorciers. Toi aussi. Et puis, Nastou, moi-même là, je suis fâchée avec Dao. Hein? Je suis fâchée avec toi. J'ai dit, mais comment les sorciers sont en train de fatiguer ma copine? Et puis, Dao ne fait rien. En tout cas, il ne cherche même pas à la comprendre. Ma copine était harcelée et puis toi, tu la laisses tomber. Hein? Ma copine, tu as raison. Moi-même, je suis fâchée. Parce que quand j'ai eu les problèmes là, avec les sorciers, là, je pensais que Dao allait être là, me prendre pour aller me faire délivrance comme j'étais envoûtée. Mais il m'a laissé tomber et puis il est parti. Regarde-moi, regarde comment je suis devenue. Hein? J'ai maigri comme ça. Aujourd'hui, là, j'ai fondu comme du beurre au soleil. Yako. J'ai compris. Essayons d'oublier le passé. C'est ce que je peux vous demander. Ok? Okay. C'est le présent qui compte actuellement. Ah, c'est vrai. Le présent, on pense au futur. C'est vrai. Voilà. Donc, on oublie le passé, tout, hein? Ok? Oui, donc, tu sais pourquoi j'ai ri, non? Non, Dao, on dirait que tu es dans mon cœur. Nassou, oui. Je t'ai dit, non? Oui, tu as je t'ai dit. Oh, Dao, j'ai dit à Nastou. Même hier même, oui. Dans ta chambre, on parlait de ça, non? C'est ça. J'ai dit à Nastou que garçon comme toi, il n'y a pas deux sur la terre ici. Que tu es gentil, tu es compréhensif. Je ne t'ai pas dit ça. Tu as dit. Tu as vu maintenant, il a accepté. Oui. Dao a accepté. Mm-hmm. Et Dao, merci. J'ai dit, ouais. Ma copine, elle va prendre sa place auprès de toi et puis vous aurez de beaux enfants. Que les sorciers le veulent ou non, vous aurez de beaux enfants. Ou bien. Amen. Alors là, Wabi, on dirait que tu m'as mal compris. Tu m'as mal compris. Je suis désolé. Comment? Moi, je ne fais pas marche arrière. Ça, c'est terminé, ça. Je suis désolé. Et je vous apprends par la même occasion que je suis fiancé et je vais me marier bientôt. Ok? Donc, ce que je peux vous demander, c'est de rester de bons camarades. Si vous avez besoin de quelque chose, vous venez me voir. Et puis, bon, si j'ai les moyens, si je peux, je fais face. Dans le cas contraire, bon, voilà. C'est tout. Écoutez, excusez-moi, mon téléphone sonne. Oui, allô? Oui? Ok, j'arrive tout à l'heure. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Je descends. C'est pas la honte, ça. C'est là, si on n'appelle pas la honte, là, quel nom on peut donner à ça? C'est de l'humiliation à l'état pur. Et je t'avais prévenu. J'ai dit, qu'est-ce que tu appelles honte dans ça? Hein? Où est humiliation, là? Toi, tu n'as pas dit que tu dramatises tout. Je t'ai dit ça, non? Entre les quatre murs, là, qui nous a entendus? Si on sort d'ici, là, qui nous a entendus? Quand on veut t'aider pour les choses, là, tous les jours, tu es défaitiste. Hein? On a dit, Dieu merci. Le monsieur a pris son temps, il nous a écoutés. Jusqu'à... Il dit qu'on doit être camarade. Camaraderie, là, ça commence comme ça. Ensuite, ça devient fiançailles. Et puis après, ça aboutit au mariage.
Tu comprends, non? Il t'a pas dit là qu'il est fiancé et qu'il doit se marier? Oh. Hein? Ou bien je vais être sa seconde épouse? Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu même? Si tu as perdu la médaille d'or là, hein? Contente-toi de la médaille d'argent, hein? Je ne veux pas médaille d'argent. Parce que s'il y a médaille d'or, il y a médaille d'argent, c'est qu'il peut avoir médaille de bronze? Laisse. Non, moi je ne veux pas. Laisse. Excusez-moi, hein? Bon, tu vas prendre ces 20 000 francs pour votre taxi. Ok? Non, j'ai l'argent pour rentrer. Ah, d'accord. Donne. Hein? Merci, Dao. D'accord, il n'y a pas de problème. Dao. Bon. Dao. On se repense après. D'accord. Ouais, à nous revoir, hein. Oui, on va se revoir. Ok, d'accord. Ne t'en fais pas. Ouais. Dao. Bon, au revoir. Dao, comme à tout, à tout. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, pas de problème. D'accord. Bon. Donc, ce que j'ai dit, vous avez compris? D'accord. Hein? Oui. Non, j'ai dit, vous, bon, elle, c'est fini ça. Ouais, ce que j'ai dit, tu as compris. J'ai compris. Si il y a un problème, vous venez me voir. D'accord. Si je peux. Et tout ça, c'est à cause de toi, sinon bon. Merci. Voilà. Bon, au revoir, bon, je vais t'appeler. Voilà. Au revoir. Vraiment, la vie, c'est pas possible. Aïe. Bonjour. Ah, c'est là. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah. Eh, monsieur, excusez-nous. Bon. C'est pour monsieur Coupé. C'est pas qu'il est à nous. Non. C'est pour monsieur Coupé. C'est lui qui nous a appelé justement. Non, il ne peut pas revenir ici. Ah, mais qu'est-ce que c'est pour vous? Il y a des passeports dedans. Donne ta pièce. Excusez-nous, monsieur. Non, pas toi, merci. Excusez-nous, monsieur. Ok. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir en même temps. Oui, allons-y. Au revoir. Au revoir. Ah, il y a beaucoup de passeports dedans. Ah oui, il y a des passeports pour les autres. Il n'a pas de visa dedans? Comment ça? Non, c'est pas possible. Appelle-le. C'est pas possible ça. Appelle-le. C'est pas possible ça. C'est pas ça. Il est sur répondeur. Il nous a doublé? En tout cas, fais tout pour le retrouver. Moi, je veux mon visa, mon argent, où tu iras répondre à sa place à la police. Mais pourquoi? Non, dans cette histoire, nous sommes tous deux dans le pétrin. Et puis moi aussi, j'ai perdu mon argent. C'est pas possible ça. Non, s'il m'a fait ça, moi, je vais le tuer, je te jure. En tout cas, fais tout pour le retrouver. Non, Sylvain, attends, pardon, attends-moi. Bonsoir, maman. Bonsoir, Mika. Aïe. Maman, mais vous avez mangé où est ma part? Avec quel argent tu voulais qu'on fasse la cuisine? Tu as laissé l'argent ici? Où tu es parti là? Tu n'as pas mangé là-bas. Écoute, arrête de nous fatiguer. Mamie, donc je vous dérange. Oui, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. On n'a pas besoin de te le dire. Hein. Tu sais que tu nous fatigues. Mais maman, je ne te comprends pas. Ah, tu ne me comprends pas. Ou bien j'ai parlé chinois. Hein? Maman. Tu n'es jamais fatiguée de parler. Celle-là, quand tu la regardes, là, qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Toi, là, pour toi, elle est sortie où? C'est sortie d'où pour toi, là? Tu ne parles qu'avec ta mère. Parce que si tu bronches que moi, je m'élève d'ici, c'est pour te gifler. Donc, si je comprends bien, c'est un complot contre moi? Ah, madame, on a mis du temps pour comprendre. Oui, c'est un complot. Oui, c'est un complot, Nastou, c'est un complot. C'est même une conspiration. Si tu veux savoir, regarde-moi ça. Tu prends tout mon argent, tu donnes à un coupeur. Ça ne te dit rien, tu vas te balader et tu viens me demander à manger. Qui travaille pour toi ici? Hein? Tu as donné du travail à quelqu'un ici? Ou bien coupeur a donné du travail à quelqu'un ici? Va à Manhattan, tu vas manger. Mais
Mais à ce que je vois, vous n'avez même plus envie de m'avoir dans cette maison, quoi. Tu as tout compris, chérie. Tu as tout compris. Mais si je vous gêne, là, jetez-moi dehors. Oh! C'est le mot là que j'attendais. Si c'est dehors là, tout de suite même tu vas partir. Tout de suite. Moi je peux pas partir d'ici. Ici là, je suis chez mon papa. Je ne vais pas bouger d'ici. Et puis quoi? De toute façon, t'as pas d'héritage, tu as fini de dépenser. Hein? Quoi? Héritage? Toi tu ne connais que ça quoi? Héritage, héritage. Donc tu es assise dans la maison là, tu ne veux pas te marier, tu ne veux rien faire, tu es là, tu vas nous chasser, tu as déjà chassé Digbé qui se retrouve dans une plantation à Gagnoa. Et moi tu vas me mettre dehors aussi pour prendre la maison. C'est héritage seulement tu connais. Moi au moins j'ai fait venir Cooper ici, même si c'est un acteur de film d'horreur, mais je l'ai fait venir. Toi jusque là tu nous as montré qui ici. C'est toi la plus grande non? C'est toi qui devais donner l'exemple, mais c'est toi qui sais parler. Tu as fini? J'ai fini. Tu sais que j'avais pour projet de me marier non? Ah bon, je ne savais pas. Maintenant que tu as fini de tout dilapider, là, moi, je me marie avec quoi? Ah, ton mari, là, n'a pas l'argent pour t'épouser? Mon fiancé et moi, on se serait mariés à part égale. Les dépenses, ça se partage de nos jours. C'est qu'il ne veut pas te marier. Sinon, tes camarades, là, quand ils ont quelqu'un, ils peuvent les épouser, même si elles n'ont pas l'argent. Toi, parce que ce n'est pas à part égale, il ne peut plus t'épouser. Ça veut dire que lui-même, il ne veut même pas de toi. Où je suis là, je ne partirai pas d'ici. Je sais que maman bluffe, elle est rentrée dans la maison, même pas son téléphone. Mais maman, c'est quoi ça, là? Tu vas partir. Ici, là, c'est chez mon papa. Il dit, je ne vais pas quelque part. Même en peinture, même, je ne veux pas te voir. Va. Je ne sais pas si c'est à Manhattan que tu vas partir. Mais pas chez moi, ici. Hein, parce que papa est mort. Tu es en train de nous jeter dehors, nous tous. Comme ça, vous allez prendre l'héritage, quoi. Oui. Mais tu es déjà morte. Donc, tu le suis. De toute façon, tout ça, là, c'est de la sorcellerie. Moi, je m'en vais. Toi qui as appauvri une famille, là, tu n'es pas sorcière. Je vais aller rester chez Wabé, mais Dieu vous voit. Regarde-moi ça. Maman. Maman. Merci, maman. Enfin, nous sommes libérés. Elle m'énerve, tu ne peux pas savoir. Ma copine. Non, tu vas où avec ces bagages? C'est maman et Mikan qui m'ont chassé de la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu leur as fait? Mais je ne leur ai rien fait. C'est ce que je t'ai expliqué l'autre fois là. Hein? Depuis que l'histoire là s'est passée là, elles ne veulent même pas me sentir dans la maison. Oh! Hein? Mais ces deux femmes là, je te jure, je les soupçonne même d'être des sorcières. Mais je leur ai dit ça avant de venir. Hein? Ah, mais tu Mikan, as dit... là, toute sa tête est remplie d'héritage. Hein? Elle ne pense qu'à l'héritage. Oui? Faut même pas te jeter dans cette histoire d'héritage là. Hein? Parce que l'héritage là, ça envoie la mort. Faut les laisser lutter. Et d'accord. Puis quoi encore? Et parce que si elle te jette dehors là, toi tu vas dormir dehors? Si, si là, c'est petit hein. Si je mange caillou ici, si tu vas manger caillou. Mmh. On va se serrer dedans jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mmh. Moi, tant que je serai là, tu vas pas dormir dehors ma copine. Merci ma copine. Tu vas pas dormir. Attends, oui. En fait, c'est pas tous mes bagages quoi. Comme c'était lourd là, j'ai laissé une partie chez le Mauritanien. Ah, d'accord. Mmh. Donc, Non, il n'y a même pas de problème. Même si c'est un conteneur de bagages, là, ça va rentrer ici. Merci. Et tel que je te connais, je sais que bagage qui est dehors, là, c'est pas petit. Tu m'entends, non? Ne t'en fais même pas. Ici, là, tu es chez toi. Tu comprends? C'est pas un problème. C'est quoi ça, là? Mais pourquoi elles sont mauvaises comme ça, ces femmes-là? Hein? Moi, Wabé, je ne peux pas te laisser dehors. Hein? Je ne peux jamais te laisser dehors. Ça, c'est du mal. Oh, regarde, je suis foutu. Mais c'est où? Mais, dis donc! Ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ça, tu vas me trouver ici aujourd'hui. Si tu vas dormir là-bas, on va voir. Moi, je suis ici. Comment? Ça, c'est quoi ça, là? Mon argent? Non. Bâtard comme ça. Toi, tu peux faire quoi, l'homme? Tu me connais, moi? Regarde-moi ça. Tu peux rien faire, l'homme, ici? Oh, monsieur Gou, s'il vous plaît. Oh, monsieur Gou, s'il vous plaît. Oh, monsieur Gou, s'il vous plaît. C'est quoi? Mon argent. C'est quoi? Tu peux faire quoi, l'homme? Mon argent. Vous croyez que je vous ai pas vu? Vous m'avez vu, vous êtes en train d'accourir, là. Ça veut dire quoi, ça, là? Et alors? Mon argent. Va te faire foutre. Mon argent, où ça va mal se passer aujourd'hui? Je suis une personnalité après tout. Je m'en fous de toi. Tu es quoi? Tu n'es rien? Tu es un escroc? C'est tout? Mon argent ou j'appelle la police? Appelez la police.
La police est trop petite. J'avoue qu'il y a des problèmes. Appelez le ministre de la sécurité. Ah bon? Je ne peux foutre de lui, il n'a qu'à se faire voir ailleurs. Toi, tu vas voir, je te crée des problèmes. Tu peux créer des problèmes. Enfin, j'ai dit, mon argent, là. Monsieur Gou, c'est quoi? Donne mon argent. Dis-donc. J'ai dit, mon argent, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça là? Monsieur Gou, vous m'avez fait tomber. Mon argent, je m'en fous. Mais je t'ai fait tomber mon argent. D'accord, je vais t'abattre. Il a fusil. Oh, c'est un volant d'explos. Il a fusil. Bata, salaud, tata, tu me fais quoi l'homme? Regarde-moi ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est monsieur. Monsieur Dao. Monsieur Dao, ouais. Voilà. Bon, excusez-moi pour le retard, hein. C'est pas bien grave. D'accord, l'essentiel d'accord. Est que vous soyez là. D'accord, y a pas c'est ça. Ok. Bon, parlons affaires maintenant. Voilà, parlons affaires. La marchandise, ça arrive quand? Vous avez apporté le pognon? Non, pour le pognon, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, ça va, discutons d'abord. Hein? Ok? Voilà. Non, vous savez, vous aurez votre marchandise. Comprenez? Ne vous inquiétez pas. Et si vous ne l'avez pas eu demain, c'est qu'il y a eu un petit retard, donc après demain, vous allez l'avoir. Moi, on m'a appelé pour me dire que le bateau se trouve au milieu de l'océan Atlantique. Donc, ça veut dire qu'il est en route. Il va arriver d'un moment à l'autre. Parce que de là-bas, il va directement au Nigeria. Donc, arrivé au Nigeria, il va venir. Mais en passant par Cotonou. Maintenant, s'ils ne l'ont pas bloqué à Cotonou, ils vont le bloquer peut-être à Lomé. Donc, il faut compter 10 jours. 10 jours. Maintenant, si à Lomé, ils ne l'ont pas bloqué, peut-être en passant par Ouaga pour arriver à Abidjan ici. Le bateau va faire au moins, bon, disons dans 2 semaines. À Ouaga? Oui. Donc il y a la mer à Ouaga maintenant pour naviguer alors? Hein? Mais tu dis que le bateau va passer à Ouaga? Voilà. Non, j'ai dit Lomé. Donc de Lomé directement, il vient à Abidjan. Oui, c'est vrai. Donc s'il arrive à Abidjan, je vous livre directement votre marchandise. Voilà. Monsieur Cooper, mais quelles sont les qualités des... Vous avez demandé des ordinateurs. Oui, j'ai demandé des ordinateurs. Dernière pointe. Voilà. Ça veut dire la puissance, dernière puissance. C'est ça. Ça, c'est le Pentium 5, Pentium 6. Mmh. Voilà. Ça sent comment, là? Moi, mes écrans, c'est la dernière pointe. C'est la dernière pointe. Mmh. C'est ordinateur à écran trapézoïdal. Mais moi, je préfère les écrans plats et rectangulaires. Ça, c'est dépassé. Oui, non, moi, c'est mon choix. C'est mon choix. Ah. Oui, je préfère ça. Oui, il y en a. Okay. Y en a. Donc, ça dépend du choix du client. Voilà, mais avec les 7 à 8 gigas. 7 gigas. Vous avez uniquement que les 7 gigas? 7 gigas. Vous voulez combien de gigas? Non, parce que moi, les 7 gigas, bon, pour le travail que je fais, hein, non, c'est petit. C'est petit? Oui, c'est petit. Parce qu'il me faut au minimum 128 gigas. 128 gigas. Voilà. Oh non, moi j'ai 200, 300 gigas même. Vous avez les 500 gigas, les 300, les... Oui, ah, bon, d'accord. Il y a beaucoup. Okay. Bon, donc, si on a dit 1 million par unité. 25. Ouais. Voilà, donc 25, si ça fait 1 million par unité, ça donne 25 millions. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, maintenant, vous me donnez la moitié des 25 millions tout de suite, et puis le reste payable à la livraison. Vous avez un reçu là? Oui, le reçu. Dao. Ah, Nassou, excuse-moi, attends le temps de finir avec le monsieur. D'accord. Cooper! Donc. Attends, oh, sorry! Attends, non, Nassou, qu'est-ce qui se passe? Sorry. Attends, non. Sorry, calmez-vous. Sorry. Yo, attends. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, laisse-moi! Non, pardon, Nassou. Sorry. Nassou, pardon. Sorry. Mon ami. Attends. Arrêtez! Doucement. Attendez. Non, oh, sorry. Doucement. Non, calme-toi, Nassou, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi ça, c'est un faux type. Gao, tu le connais? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un faux type. Vous vous connaissez alors? Je le connais. C'est pas lui là qui est venu, il dit l'Américain qui veut me marier, il m'a emmené à la mairie avec toute ma famille. Hein? Tout l'argent de ma maman est rentré dans ça là. À la mairie là, beaucoup de gens comme ça qui sont venus pour le mariage. Il y a une grosse femme qui est venue avec beaucoup d'enfants comme ça. Elle dit que c'est son mari, donc il a fui à la mairie, il m'a laissé là-bas. Moi j'ai pensé qu'il était parti à Manhattan. Donc cette histoire d'Américain était vraie? Hein? Attends. Non, mais tu c'est pas possible. Mais tu vas m'expliquer quoi, Nassou? Non, mais Nassou. Quel mensonge tu vas me dire encore? Non, c'est pas un mensonge. Écoute, Nassou, je vais non, calme-toi. Je te remercie quand même
pour m'avoir empêché de jeter mon argent par la fenêtre. Là, pour ça seulement, je te remercie. Non. Mais ce que je vais te dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir sur mon chemin. Est-ce que c'est clair? Plus jamais. C'est fini, ça. N'importe quoi. Non! Non! C'est ça, on dit, malheur ne vient jamais seul. Mais se couper à cause d'Internet, Internet, hein, Seigneur! Vraiment! Tu es exagéré. Comment ça, je ne peux plus l'accepter. Tu vas pas accepter quoi? Non, mais dis donc, comment dans un studio où il n'est prévu que la place d'un seul lit, tu fais venir une amie qui représente à elle tout seule toute une population? Mais c'est pas toi-même qui m'as dit d'aller lui demander pardon. Ah non, ça je l'ai dit, mais c'était juste pour votre réconciliation. Non, écoute, je t'ai pas demandé d'aller la chercher pour une cohabitation, nom de Dieu. Mais si sa maman me l'a chassée, où veux-tu qu'elle aille se réfugier? Ailleurs, mais pas ici. Alors là, moi je ne peux pas la chasser. Toi-même tu as bien dit que l'amitié est sacrée, non? Oui, l'amitié est sacrée, mais elle n'est pas une prise en charge. Voilà. Alors là, moi je ne peux pas la vider. Franchement, je ne peux pas. Ok, c'est trouvé. C'est très simple. Voilà, tu choisis. Ou c'est elle qui reste et moi je pars. Ou alors, tu prends tes responsabilités en la vidant et moi je reste. Tu as 2 minutes pour réfléchir. Elle va partir. Elle va partir. J'ai dit qu'elle va partir, non? Tu es trop nerveux. Ma copine, pourquoi cette mine? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Dao. Dao? Assieds-toi. Assieds-toi. Tu lui as parlé de la grossesse? Est-ce que j'ai pu lui parler de la grossesse? Tu sais qui j'ai vu là-bas? Non. Faut bien t'asseoir. Qui? Cooper Aigler W. Go. Moi? Ce spécimen encore dans ce pays? Qui? C'est toi qui as raison. Qui? Il doit être d'ici. Et puis tu l'as pas giflé? Mais je l'ai giflé 2 fois. Oh, ma copine, tu as bien fait. Oh, mais tu sais ce qu'il a fait? Parce que je l'ai giflé, il a tout raconté à Dao. Et qu'est-ce que Dao a dit? Dao va dire quoi? Il dit qu'il ne veut plus jamais me voir sur son chemin. Oh, vraiment, ma copine. C'est toi qui as mal fait? Hein? Pourquoi tu as giflé Cooper? Pourquoi tu l'as giflé? Toi aussi, tu es trop rapide. Voilà maintenant, tu l'as giflé. Ma copine, tu sais, comme on dit là, le malheur ne vient jamais seul. Ici, là aussi, ça ne va pas. Je me suis disputée avec mon copain à ton sujet. Ah bon? Ton copain? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Ah, il ne veut pas que tu restes avec nous ici. Et que tu dois partir. Et il m'a aussi demandé de choisir entre toi et lui. Et comme je ne veux pas le perdre, tu comprends, non? Même si tu pars d'ici, on pourra toujours rester en contact. Hein? Ma copine, je veux partir où? Ailleurs, mais pas ici. Ailleurs. Hein? Tu sais quoi? Toi-même là, c'est toi qui as giflé Cooper, non? Donc, fallait lui demander pardon et puis vous allez reprendre. Moi, demander pardon à Cooper? Comment tu peux me donner ce genre de conseils? Oui! Hein? Quand tu as tort là, tu demandes pardon. L'orgueil là, ça n'arrange rien. Au contraire, même ça précède la chute. Donc, humilie-toi. Mais c'est lui qui devait me demander pardon? Hein? Ah. En tout cas, il faut partir. Ce que je te dis là, c'est pas méchant. Je peux te demander un service. Lequel? En fait, si tu peux garder mes bagages ici.
Ah, non, pour les bagages, il n'y a même pas de problème. Tu peux les laisser ici. Comme ça, je vais aller tourner. Si je trouve un toit, je vais venir chercher. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je peux rentrer, je vais me changer. Non, tu peux changer. Comme il est sorti là, il faut te changer. Et puis après, tu vas partir. Tes bagages là, j'ai trouvé une place dans la maison là-bas. Puis je vais mettre. Ah, j'ai pas envie de le perdre. Bonjour madame. Bonjour. Madame, s'il vous plaît, je cherche travail. Il n'y a pas de travail ici. Moi, je travaille ici déjà. Je ne peux pas prendre quelqu'un encore. On ne veut pas prendre une deuxième fille. Non. Je suis fatiguée. Depuis le matin, je me promène. Mes pieds me font mal, je ne gagne pas de travail. T'as fait le travail là, c'est comme ça. Moi, je travaille ici. J'ai souffert jusqu'à et puis il y a eu ça là. Tu vois la maison verte là-bas. Il n'y a pas longtemps, ils ont déménagé. Il faut aller là-bas. Eux, c'est peut-être qu'ils cherchent une pomme. Il faut partir. Merci quand même. Bonjour. Je voulais vous voir quoi, je veux vous parler. Vous voulez me voir? Oui madame. Ok, entrez. Merci madame. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous là-bas. Voilà, là c'est bon. Ok. Ah. Ça va? Oui. On vous apporte un peu d'eau? C'est bon, ça va. D'accord, je vous écoute. Madame, je suis fatiguée. Depuis là, je marche seulement, j'ai mal aux pieds. Je suis trop fatiguée. Je suis passée là-bas, là. Il y a une maison là-bas. J'ai demandé et puis il y a une fille qui m'a dit de venir ici quoi. Comme je cherche du travail là, elle dit que vous avez besoin de quelqu'un pour travailler. C'est à cause de ça que je suis venue. En tout cas, je suis contente parce que vous avez tapé à la bonne porte. Effectivement, moi aussi je cherchais une fille pour travailler, m'aider à la maison. Okay. Et qu'est-ce que vous savez faire? Tout ce que vous voulez. Vous savez tout faire? Oui, c'est ce que vous allez me demander, je vais faire. D'accord. Bon, là, on vous paye combien? En fait, j'ai calculé, ça fait 50 000. Quoi? 50 000? Attends, tu penses que c'est la maison d'un ministre? Hein? Même mon mari, il n'est pas payé à 50 000. C'est quelle histoire, ça, là? Madame, ne vous fâchez pas. En fait, si j'ai dit ça, là, c'est parce que j'habite loin. Et puis, je dois payer ma maison, tout ça, là. C'est à cause de ça, j'ai dit 50 000. Bon, si c'est pour la maison, il n'y a pas de problème. Tu peux dormir ici. Je vais dormir ici? Oui. Tu peux dormir ici, tu vas manger ici. Tu vas tout faire. D'accord. Attends, est-ce que tu as l'habitude de boire de l'eau glacée? Tu vois, tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau glacée. Il y a des choses aussi que tu n'as pas l'habitude de manger chez toi. Hein? Est-ce que chez toi, là, il y a une télévision comme ça, avec écran comme ça là? Non. Tu vois ça? Chez toi, il y a ça? Les petits poissons que tu vois là. Je suis sûre que ça, là, si c'était chez vous, là, vous allez attraper ça pour préparer sauce graine. Tu vois ça? Ça, ça ne se mange pas, par exemple. On va t'offrir tout ce beau cadre-là. Et tu parles de 50 000.
En tout cas, ce que moi, je peux te proposer là. Oui. Hein? Mmh. C'est 15 000. J'ai compris. Ça fait aller. Oui, madame. D'accord. Merci, madame. OK. Bon. Et vous commencez... Enfin, tu commences quand? Tout de suite, là. Ça dépend. Si vous voulez, je peux commencer même tout de suite. Tout de suite, là? Oui. Tu es prête? Oui, je suis prête. Mais où sont tes bagages? Ah, mes bagages, je ne suis pas venue avec quoi. Mmh. C'est que je veux dormir ici aujourd'hui, commencer aujourd'hui, et puis demain, je vais aller chercher mes bagages. Ah, d'accord. Mmh. Bon, ça marche pour moi. Merci, madame. Bon, je vais te montrer la cuisine. D'accord, et puis, madame. Ta couchette. Hein? Mmh. Bon, venez. Ok, yeah. Okay. Ah, mais il est élégant, ton. Yeah. Confiancé. Ah ouais. Cooper, how you go, you know? Yeah. I'm c'est un bel homme, hein? Yeah. Merci, tu as de la chance, mon gars. Yeah. Anan, tu le connais? Kofi Annan. Kofi Annan. Moi? Non. Ah, yeah. Ah, maman, c'est un rêve. Ah, oui, maman, yeah. C'est une autorité. Il est une autorité, monsieur Cooper. Yeah, yeah. Kofi Annan, il pourrait t'intéresser. Il les aime aussi comme toi. Maman. Yeah, man. Ah. Yeah. Ah, Nastou. Après-midi, au lit, tu apprendras. Ah. Tu pensais nous échapper, mais je crois que c'est la fin du parcours. Non, je vais vous expliquer. C'est que tu as dit. On le termine? Non, non. Pas ici. C'est trop soyeux. Si on veut le dire, c'est ailleurs. Ouais, chef, c'est ici. Vous restez dans la voiture, voilà. Regardez, suivez-moi. Ok, merci. Non, 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 je vous en prie. Non, attendez. Attendez. Police, oh. Que personne ne bouge. Eja. Mais comment? Belle prise. Vous deux, il y a longtemps qu'on vous cherche. Embarquez-la tous. Oh, non, non, attendez, je vais vous expliquer. Embarquez-la tous. Non, attendez, chef, attendez. Doucement, chef. Allons. Chef, attendez, je vais vous expliquer. Chef, chef, on se connaît, non, chef? Je vais vous expliquer. Hey, tu n'as pas dit que tes yeux rouges entiers. Quand tu as des problèmes avec tes yeux. Bonjour chérie. Ah chérie, tu es là? Oui, je suis là. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, Dieu merci. Une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Mais vas-y alors. Et la nouvelle a deux volets. Ah? J'ai enfin trouvé une fille pour m'aider à la maison. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et le deuxième volet, tu sais, c'est quoi? Non. Elle va dormir ici avec nous. Ah bon? Oui. Elle a accepté de dormir ici? Elle a accepté. C'est qui m'a plu là. Oui. Elle n'a... Je ne me suis même pas fatiguée. Mais c'est ça. Elle on dit la chance, c'est ça. Je veux du travail. Oui. Tu sais, chérie, oui. Je veux tout mettre en œuvre pour que tu sois à l'aise dans cette maison. Oui, tu me gâtes. Donc, si cette fille te convient, bon, chez moi, il n'y a pas de problème, hein? En tout cas, elle me convient. Ah, d'accord. Bon. J'arrive de suite, ok? Chérie! Ah oui! Maman, quelqu'un aussi! Mais quel problème il a au point de ne pas rester à la maison? Depuis vendredi matin, il est tout seul. Je l'ai tout revu. Quand j'appelle sur le portable, ça sonne le poteau. Je vais expliquer. Maman, c'est ce que tu vois là. Salut, elle m'a pas répondu. Ah, c'est ça. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne peut plus m'insulter. Elle dit que c'est à cause de moi qu'on peut pas disparu. Que j'ai. Mademoiselle. Oui, madame. Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. Ok, c'est madame. Tu veux t'inquiéter.
Clémentine. Ma pauvre enfant, je n'étais pas là. C'est pas mal ton film là. C'est quel film ça, chérie? C'est ma famille. Ah, ma famille. C'est un bon film, hein? Ok, je vais me reposer un peu. Mais place-toi bien. Oh, chérie, toi aussi. Bon, écoute, et la fille, tu la trouves bien? Ah, celle que j'ai prise là, elle, non, c'est qui m'a touchée même là. Attends, c'est sa propreté. Elle est très propre. Merci chérie. Ah, elle est très propre. La propreté compte beaucoup. Hein. En tout cas, quand elle va venir, tu vas la voir. Surtout en... quand c'est une servante, il faut qu'elle soit vraiment très propre. Ah, elle arrive. Attends que je vois cette fille là.